Salut les filles! Alors aujourd'hui je vais vous parler du henné en général, donc sur cheveux colorés, décolorés, permanentés, donc avant, après, etc. Donc tout ce qui est à éviter, etc. Donc sachez que si vous êtes indécise, donc soit c'est le henné, soit c'est le chimique, si vous êtes du genre à aimer à changer de couleur à chaque fois, donc passer du blond au brun, ensuite repasser par le rouge, etc. Alors évitez vraiment le henné, c'est vraiment pas quelque chose pour vous, vous qui aimez bien changer, parce que le henné fonce les cheveux, et donc après ça va être la misère pour récupérer vos cheveux, etc. Donc on va parler du henné sur les cheveux colorés. Donc si vous avez de base les cheveux colorés et que vous souhaitez faire un henné par-dessus, sachez qu'il est possible de le faire. Par contre, admettons que vous ayez des racines, on va dire blondes, et que le reste soit châtain. Ce que je vous conseille, c'est de faire une coloration chimique à la couleur de vos racines pour pas avoir de démarcation lorsque vous ferez votre henné. Donc d'abord, c'est vraiment une chose à faire. De même, si vous avez les cheveux méchés, admettons que vous ayez les cheveux foncés, que vous ayez des mèches blondes, le henné va passer par-dessus, mais il va y avoir toujours une démarcation. Et quand vos cheveux vont pousser, les mèches vont descendre petit à petit, et ça fera toujours un effet de démarcation. Donc si vous voulez vraiment un résultat naturel optimal, je vous conseille vraiment de faire une dernière coloration, donc de la couleur naturelle de vos cheveux. Donc faites-le de préférence avec un professionnel, car dans le commerce vous ne trouvez pas toutes les nuances de couleurs nécessaires pour les couleurs naturelles et les reflets. Donc faites vraiment faire ça par un professionnel. Donc est-ce que vous pouvez faire un henné donc sur cheveux colorés? Donc je vous en ai parlé. Par contre, est-ce que vous pouvez faire une coloration après un henné? Non, j'ai oublié une petite chose, une petite parenthèse. Donc si vous avez les cheveux colorés et que vous voulez faire du henné, tout d'abord commencez par du neutre. Donc du neutre, c'est du henné qui ne colore pas. Et commencez à faire une mèche test. Toujours une mèche test, parce que vous avez peut-être dû déjà lire donc sur le net que des filles se sont retrouvées avec des cheveux orange, vert, jaune, etc. J'en passe. C'est probable, ça arrive, mais en général c'est sur des cheveux très clairs, voire décolorés. Mais ce que je conseille, c'est toujours faire une mèche test au niveau de la nuque. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire une coloration sur du henné? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, par contre, il faut un temps d'attente quand même de quelques mois, histoire de se débarrasser du henné, parce que le henné est assez tenace et reste quand même quelques mois sur les cheveux. Donc, il faudrait attendre minimum 3-4 mois pour être sûr. Et toujours faire une mèche test et vérifier avant de faire une coloration chimique totale. Donc, l'attente en général, c'est quand même minimum 3-4 mois, donc pour tout. Pour tout, parce que ben voilà quoi, faut quand même que le cheveu se libère du chimique ou du henné pour ensuite passer à l'opposé. Donc qu'est-ce qu'on peut faire du henné sur des cheveux décolorés? Je vous le déconseille fortement parce que les cheveux sont décolorés, donc ils sont abîmés, ils sont plus du tout pigmentés. Si vous faites, oh là là. Si vous faites un henné par exemple d'Égypte sur cheveux décolorés, vous allez vous retrouver orange, donc évitez. Surtout pas, c'est vraiment pas du tout à proscrire. Repartez sur votre couleur naturelle, donc je vais revenir exactement sur le même sujet, c'est vraiment le basique. Bon, par contre, si vous avez des cheveux blonds de base, allez-y petit à petit, commencez avec du henné neutre, ensuite peut-être du henné blond pour éclairer votre couleur, et après si vous aimez pas vraiment votre blond ou autre, commencez à partir peut-être sur du châtain avec petit à petit des doses de henné d'Égypte. Donc au début commencez par une cuillère, ensuite deux, trois cuillères, pour éviter justement que vos cheveux deviennent carottes quoi. À moins que vous aimez bien, donc vous passez directement au henné d'Égypte, mais faites attention quand même au niveau des dosages. Par contre, les cheveux permanentés et le henné, que ce soit une permanente à faire avant ou après le henné, c'est totalement déconseillé. J'en ai déjà parlé avec des coiffeurs qui disent que le cheveu cède à cause du henné ou de la permanente, donc il casse. C'est le cheveu casse carrément et tombe apparemment. Après, j'ai pas vu, j'ai pas fait, donc je peux pas confirmer la chose. Peut-être qu'il y a des personnes qui l'ont fait et qui n'ont eu aucun problème. Par contre, je ne le conseille à personne. Attendez que votre permanente ait au moins quelques mois avant de passer au henné. Attendez, faites pas tout de suite un henné après. Ou inversement, si vous souhaitez faire une permanente sur du henné, attendez également quelques mois, histoire que les cheveux enlèvent le gainage qui se trouve dessus. Et vraiment bien faire attention. Vraiment discuter avec un professionnel. Faites pas ça chez vous à la volée, comme ça, à la va-vite, en se disant bon, ça arrive qu'aux autres. C'est pas vrai. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Donc voilà.
Donc voilà pour ce petit topo sur le henné. Mais si vraiment vous êtes le genre de personne qui change tout le temps de couleur de cheveux, qui c'est vraiment pas fait pour vous, le henné c'est vraiment quelque chose de stable qu'il faut utiliser souvent, voire tout le temps. Et vraiment rester sur ça. Pour moi personnellement, quand on passe au henné, c'est de façon limite définitive quoi. Donc après moi c'est vrai que j'ai de la chance parce que j'ai les cheveux châtains. Et je peux me permettre de faire du henné châtain, ce qui fait en sorte que j'ai pas de différence de couleur. Par contre, si j'étais blonde, genre par exemple blonde foncée, et que je faisais du henné châtain, ben ce serait un peu ennuyeux parce que j'aurais toujours ce problème de racine de repousse. Donc il faudrait que je le fasse plus souvent. Donc là, je veux dire, je peux rester 4-5 mois sans faire de henné, j'aurais aucun problème. Bon, par contre, il y aurait une légère différence de reflet, mais ma couleur sera toujours châtain. Donc il y aura les reflets assez chauds du henné quand ça va pousser. Donc ça va être un peu cuivré, marron, etc. Et le reste, bon, ça va être un petit peu moins pétant, mais je veux dire, c'est pas flagrant. Donc voilà, pour les filles qui ont un doute ou quelque chose comme ça, si vous avez les cheveux colorés, vraiment, attendez quelques mois. Commencez par du henné neutre, vraiment pour vous mettre dans le bain, etc. Et n'oubliez pas la mèche test qui est vraiment très très importante. Je veux dire, même si ça vous coûte une heure, ça vous coûte une heure d'attente, ben c'est pas grave. Au moins c'est une heure d'attente et vous n'avez pas les cheveux zigouillés. Voilà. Donc voilà pour ce que j'avais à dire. Je pense que si j'ai des choses à rajouter, j'hésiterai pas à le faire lors d'un article de blog ou bien refaire une seconde vidéo. Mais prenez vraiment le temps de réfléchir, peser les pour et les contre. D'ailleurs, j'ai fait deux bons articles au sujet du henné. Donc, il y a le henné, les pour et les contre. Donc, je mets une liste de questions. Je mets vraiment une liste de questions avec les pour et les contre. Et je vous dis si ça vous convient ou pas. Donc, par exemple, les questions, c'est est-ce que j'aime changer de couleur? Est-ce que j'ai les cheveux décolorés? Est-ce que j'aime les colorations chimiques, etc. Et ça répond vraiment bien à vos questions. Et j'ai un autre article, c'est... Le henné égale cheveux orange? Non, pas du tout. Tout de suite, les gens leur disent henné. Oh, mon Dieu, cheveux orange, c'est affreux, c'est la fin du monde. Non, le henné, c'est pas destiné à avoir du orange. Vous avez vraiment des gammes de couleurs différentes qui passent vraiment du neutre, donc pas de couleur, au blond, cuivré, chocolaté, même au noir. Je veux dire, si vous aimez bien le noir, vous pouvez faire de l'indigo, etc. Mais voilà, le henné, ça se résume pas à une seule couleur et vous pouvez vraiment découvrir une large gamme de reflets et de couleurs. Et franchement, je trouve que ça rend les cheveux magnifiques et en plus de ça les soigne. Donc tous les bénéfices qu'on n'a pas dans une coloration chimique. Et en plus de ça, avec les colorations chimiques, on a vraiment des gros soucis de racines très flagrantes. Donc voilà, donc je mets vraiment la parenthèse sur le fait de retourner de faire une dernière couleur chimique à sa couleur naturelle pour enfin passer au henné, pour pas avoir ce souci de démarcation que beaucoup ont à cause de ça. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Salut les filles!